Catch the King est un jeu abstrait asymétrique pour deux joueurs. N'oubliez pas votre casque à cornes et votre épée, car nous voilà transportés au temps des Vikings. Catch the King se base sur le Tablut, un jeu scandinave qui représente une bataille entre deux armées de forces inégales. Le Tablut fait partie des jeux de tafle, des jeux abstraits asymétriques à la même mécanique de capture. Dans Catch the King, l'un des joueurs incarne les assaillants et l'autre les défenseurs. La manière de jouer est la même, mais les conditions de victoire sont différentes. Les assaillants sont en surnombre. Ils commencent la partie sur des drakkars et doivent s'avancer dans les terres pour capturer le roi. Le but des défenseurs est simple, protéger le roi et l'amener sur l'un des coins du plateau. Lors de son tour, le joueur déplace l'un de ses vikings en ligne droite d'autant de cases qu'il veut. Il ne peut pas sauter au-dessus d'un autre pion ou se trouver sur la même case que lui. Pour capturer un viking adverse, il faut l'encercler avec deux vikings de sa couleur. Les pions doivent être à l'opposé l'un de l'autre. Le roi est spécial. Pour le capturer, les vikings ne doivent pas être deux, mais quatre. En contrepartie, il ne peut pas capturer de pions. Si un personnage se déplace entre deux pions, il n'est pas capturé. Les forteresses aux quatre coins du plateau sont des lieux particuliers. Seul le roi peut s'y rendre, mais elles comptent comme un personnage neutre pour la capture d'une pièce. Catch the King propose plusieurs variantes pour renouveler les parties. Certains assaillants peuvent se déplacer en diagonale et d'autres ralentir les vikings avec lesquels ils sont en contact. Catch the Queen change totalement la dynamique du jeu, en équilibrant les forces et en y ajoutant un peuple neutre, les Anglais. Pour conclure, Catch the King est un jeu de stratégie asymétrique, de placement et de capture, qui reprend le principe du Tablut et nous propose deux manières très différentes de jouer.